Yo, les Zouaves. On se retrouve pour un petit Far Cry 5. Et bon, alors du coup, on va continuer directement sur ce qu'on voulait faire. Donc, il y avait ça. Bon, ça, on se le fera peut-être plus tard, voire on se le fera pas. Ça, c'était le groupe de camions. Bon, on s'en fout un peu aussi. On n'avait pas d'autres gens à aller voir ici. Non, on a lui là, peut-être, Clutch Nixon là. On a Nadine. Nadine Abercrombie. Ouais, mais dans ce cas-là, on va aller voir Nadine. On va se foutre en voyage aérien ici. Je vais suivre ça. On va se foutre en voyage aérien ici. Enfin, largage aérien. Et puis, on va s'y rendre direct pour aller voir Nadine. Notre bonne vieille Nadine. Dans cette maison-là, je suppose. Je me souviens du parachute. Faut le décrocher assez tôt. Peut-être un peu trop tôt cette fois. Personne manquant de créativité qualifie de déchet une chose dont elle ne pense qu'elle ne peut plus servir. Quelqu'un de créatif n'établit pas de ligne nette en matière d'utilité. Les choses sont utiles, pas inutiles. L'idée de choses jetables est une création de notre monde, sortie de l'esprit des capitalistes et des grandes sociétés. On peut utiliser n'importe quoi pour créer autre chose. Ouais, pas bête. Je comprends. Eh, hey, vous avez l'air de savoir vous débrouiller. Ouais, bonjour, moi c'est Nadine. J'espérais que vous pourriez m'aider un peu. Mon grand-père avait une collection de BD de quand il était petit. Mais comme il savait qu'aucun de ses enfants en voudrait, il les a vendus. Le truc, c'est que moi je les voulais. Et papy n'est plus là à cause de la secte. J'ai plus aucun souvenir de lui, alors j'aimerais récupérer ces BD. Si vous arrivez à les trouver, je pourrais vous dédommager. Il me faut toute la collection. Oh, vous en avez déjà trouvé? Génial, apportez-moi le reste et je vous paierai. Ok. Donc il reste. Pas capable de servir d'un arc. Il en reste. Oh, attendez. Allez. Pied au plancher. Vas-y, bute-les, bute-les. Ouais, génial. Tuez. Tuez. Voilà. Joli tir. Un peu le son chez moi, hop. On est paré. Voilà, voilà. Alors, ça c'est fait. Bon, il y aura encore celle-là. Arrêter et récupérer le fossoyeur. Ouais, non, nous on va aller voir Clutch chez Nixon. Voir le bon Nixon. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Petit avion en bas. Du sanglios.
J'aime vraiment beaucoup tous les carrés. Mais moi, au moins, je suis pas droguée. Est-ce que c'est comme dans Far Cry 6 où tu peux dévaler des pentes Ah oui, non. Non, c'est pas. Ça l'est pas. Ou alors ça. C'est un saut pour la conduite, ça. Où je ne m'y connais pas. J'ai une petite AK en or. Putain, le réchauffement climatique. C'est pas la meilleure arme. Hein. En tant que fusil d'assaut, mais bon, j'ai toujours aimé l'AK et l'AK en or, surtout dans Code 4. J'adorais. Qu'est-ce que c'est ça? Cascadeur peu connu de Holland Valley subit une combustion spontanée en effectuant une cascade intitulée le baptême du feu. Là, je suis en train de me faire tirer dessus. Là. C'est un bug ça? Je me fasse tirer dessus et qu'on me mette un HP dès le début. Génie de la conduite. Bah voilà. Ah, par contre, je m'étais fait attaquer par ces conneries là. Je bouge. Voilà. Merci, enculé. Alors, ça c'est bon. Pas ça, non, bon. Chalet des Roberts. J'ai pas découvert ça. Écoute, on va descendre au chalet des Roberts parce que je l'ai pas découvert et après on montera là-haut. Quoique on est vraiment prêt, on va aller là, on découvrira le chalet des Roberts plus tard. Trop tard. On va y aller à pied. On prenne le temps d'explorer quand même un minimum. Ouais, par contre, ce serait bien que j'aille un peu plus vite. Pam 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 pam.
pam 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 Voilà. Attends, tu l'es. Ah. Qu'est-ce qu'on s'est marré? Ah oui, tu trouves qu'on s'est marré, hein? Ouais, je suis pas sûr que ça soit ultra marrant, mais... C'est bien beau de faire retenir les... Rien d'autre qui brille. Alors, Mr. Strickland, tout est en place lorsque la secte attaquera votre ferme dans le donner le signal et je débarquerai illico en tyrolienne pour vous aider. Il faut absolument qu'on se serre les coudes. Ok. C'est parfait pour guetter les cinglés là-haut. Ouais, d'accord, on va y aller en tyrolienne comme ça. Quoi. Je m'accroche à la vie. Viens m'aider. Aide-moi. Merci. J'ai quitté la tiro, je sais pas pourquoi. Mais bon. Ce sont des choses qui arrivent. C'est quand même dingue. Les tarés pillent nos baraques, mais il n'y en a pas un pour trouver un rasoir. Ah. Et par contre, ça. Il va absolument falloir que je. Passe par ici en fait. Est-ce que je peux monter? Je vais bien pouvoir monter, non? Bute-moi ça. Non. Bonjour monsieur. Je peux pas monter. Belle journée. Il faut que je remonte tout là-haut. Je vais pas pouvoir y aller en tiro, ça veut dire. Enfin, je vais pas pouvoir y aller autrement qu'en tiro. Tire sur ce truc. Là. 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 Ah ouais, mais j'ai pas fait exprès. Je crois que tu perds ton temps. J'ai pas fait exprès, hein. À 15 km à la ronde, on okay. Apprend assez vite à se débrouiller. Elle est là, la tiron. L'autonomie, c'est là. Ah, puis si je me loupe encore une fois, tant pis. Hein. Au pire, j'y vais en hélico. Hein. Ça, c'est sa mère. J'y vais en hélico et je me pose sur le silo. Hein. Ça va pas être compliqué. Hein. Ça va me faire chier. Hein. Ça va d'ailleurs être comme ça qu'on va le faire. Hein. Je peux vous le dire. Tiens, veille la route. Je m'occupe du reste. Voilà. Je vais vous dire que c'est comme ça qu'on va le
Très bien. Oh merde, j'ai touché. J'ai touché. Ah. Par ici, j'ai plus d'aide. Ah bah désolé. Non. Désolé, attends deux secondes. Non, c'est bon, on a tout pris. On a tout pris. Putain de merde. Ah merde. Allez, hop. Allez, lève-toi ma grande. C'est bon. Bordel, ça fait un mal de chien. Alors on a des points de talent apparemment. Ah oui putain, on en a 17 sa mère. Ah oui. Ouais. Notre santé monte de 250%. Les balles infligent plus de dégâts au véhicule. De composants nécessaires pour fabriquer. Ouais. Pas terrible, hein. Pam 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 pam. Allez, hein. Voilà, hein, full santé, hein. Comme ça, quand on recommencera en mode partie plus, on sera bien. Moi, alors, où est-ce qu'on est sur la map là? Ah, là, par contre, ouais. Là, par contre, on est juste à côté, donc on va y aller. Hein. On va aller quand même découvrir ça, voir ce que c'est. Il y a mon fait. Et tu pars une moufette, toi. Après, je pense qu'on ira voir pour la fin de cette quête principale, là, quand même, voir ce que c'est. Parce que... Tous ces survivalistes qui se prennent pour des dieux. Moi aussi je me débrouille toute seule. Je passe pas mes journées à me toucher la nuit. Putain de merde. Qu'est-ce que... Ah oui. Elle s'est fait annihiler par les abeilles. Sorry. Sorry, ma grand. Sorry. Aïe, aïe, aïe. On ne rentre pas dans une maison, d'accord? Voilà, le caribou. Un point de talent, là. Talent reçu. Alors. Où est-ce qu'on va aller, nous? Là, on a Winis. Un groupe d'ours pose problème dans le verger, occupez-vous d'eux. Rejoignez le camping de Silver Lake. Quittez le navire. C'est la dernière mission, ça, non? Non, ça, c'est que ça reste des missions principales, en fait.
Brigade des Stup. Trouvez les camions de drogue. Faire le feu sur hier alors dans ce cas-là. Allez. Je peux y aller. On va monter en haut, on va se balancer en wingsuit. Ça va être aussi simple que ça. Je vais garder mon AK quand même autour parce que. Pas que je le sens mal, mais. Je le sens pas de fou. Putain, reculé. Puis il va vite en plus. Hein. Désolé, j'ai pas le temps. De toute façon, eux, ils vont l'aider. De faim si ça te met qu'à la secte. Faut savoir chasser pour se nourrir. Ah, mais parce qu'il s'en va en plus. Putain, quel enfer. Il est en train de se barrer en plus. Il faut vraiment que je trouve un moyen pour de sauter vite là. Comme par hasard. On n'a rien dans le coin. Bon, sur là j'ai un quad mais... Il a l'air de pas être très loin là. Tout proche même. Attends, je vais te sauver toi, vite fait. Prenez ce que vous voulez, c'est à vous. Ah. Non. Putain. Et puis tu mets-toi pas non plus dans une dans un merdier toi. Putain, la conduite automatique elle est à chier. Moi, dès le départ, cette famille ici, j'avais compris que c'était une brochette d'escrocs. Et voilà ! Alors je leur ai mis la pression. Et là, bam ! Je me fais taper sur les doigts parce que je suis trop...
alors je leur ai mis la pression. Et là, bam, je me fais taper sur les doigts parce que je suis trop méchant avec Edenskate. Tu crois ça? J'ai pas eu le choix. J'ai dû me préparer à l'inévitable. Alors je me suis équipé. Assez de bouffe pour tenir des années. Et des filtres pour l'air et pour l'eau. Ça m'a pris des mois, mais j'étais paré. T'aurais dû voir le regard des gens. Comme si c'était moi qui allais pas bien dans ma tête. Et qui est-ce qui avait raison? Si tu veux, les gens. C'est ce putain de merde, Briggs. Évidemment, la secte est venue s'en prendre à moi. J'ai tout perdu. Et c'est comme ça que je me retrouve dans le soigneur avec toi. La fin du jour, les gars, on a tardé. Il y a de la fumée et des impacts de balles. Ça fait un bien. T'as un vrai don. Le fossoyeur est à toi. Avec un coyote dans ton genre au volant, tu risques de faire bien plus de dégâts à la secte que moi. Dis bonjour à Dutch de ma part quand tu le verras, ok? Dutch Wonderling. Ok. C'est bon, c'est fini? On va pouvoir fouiller tout le monde sur place. Hop. On va récupérer des petits trucs, un peu de thunes. Nickel. Bon, on va aller faire la brigade des stupes alors dans ce cas-là. Alors c'est où? Merde. C'est là-bas. C'est aussi. Bon, on va se déplacer rapidement jusque là. On va s'occuper du groupe d'ours. Et puis, puis après on ira se faire ça. Alors, où est le groupe d'ours là? Je suis en train de
Je suis en train d'entendre chanter Face là. Je me souviens plus c'était quoi exactement cette musique, mais elle était magnifique. Je crois que c'est une des plus belles musiques que j'ai entendues dans le jeu vidéo. La musique de Face Seed, là, elle était extraordinaire. J'ai quand même envie d'aller voir, excusez-moi, j'ai quand même envie d'aller voir ce personnage là, pour voir qu'est-ce qu'il a à nous proposer. Podkoug. La belle Podkoug. Jess Black est disponible dans le groupe. Ah oui, c'est vrai que je l'ai pas avec moi. Ça, c'est cool. Pigé, j'arrive. Très bien, ramène ton petit cul par ici. Carcajou. Je me souvenais plus de ces bestioles là. Je me suis dit qu'est-ce que c'est, au début je pensais que c'était une moufette. C'est gentil mais je peux pas présenter une terre. Je peux penser à ma couverture. Les cerfs c'est quand même le plus rentable pour un chasseur. Y'a tout qui se mange là-dessus. Bon alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire le patriote là ? Toute attaque, restez en riposte par le feu et la furie. Par ici, officier. Je sais qui tu es et ce que tu fais, officier. Je suis l'agent spécial Willis Huntley. Le grand chef surveille Eden's Gate depuis un petit moment déjà. Et les plus hautes autorités m'envoient régler ça. Mais d'après les faces de gland prépubères de l'anglais, on est dans une économie de partage. Et avant qu'on t'aide, tu dois faire un truc pour nous. C'est comme au bain turc. Une main lave l'autre et tout le monde s'astique, si je puis dire. Monte avec moi, je t'explique. Ok. La meilleure façon de prendre soin de ses affaires, c'est d'en avoir aucune. J'étais en vacances. Je visitais tous les états par ordre de patriotisme croissant quand j'ai reçu un appel. L'appel avec un grand A. Je suis ici en mission spéciale pour le compte du chef suprême en personne. Putain de merde. Rien que d'en parler, passe-moi l'expression, j'en banderais presque. Je dois récupérer une cassette qui ferait mauvais effet auprès du public en cas de fuite. J'ai remonté la piste jusqu'à un membre de la joyeuse famille de Joseph, ici même. Il l'a planqué quelque part. Et c'est là que t'interviens. Je vais attirer notre bonhomme. Toi, tu le suivras quand il retournera à sa planque. Et tu récupéreras la cassette pour moi. Fais ça pour ton pays. Et ton pays réglera ton petit problème de secte pour toi. Pas de soucis. J'ai horreur des insectes. Yo, range-toi, faut que je descende. Suis-moi. Je te laisse terminer à pied. De catégorie militaire, plus de place au doute. On sait ce qu'on fait. J'ai besoin d'accéder à l'équipement de cette tour. Ok. Débarrasse-moi de ces hippies à la con. Ok. Je compte sur toi. Je change de place.
De venir. Dans un an et un jour, c'est à toi. Elle est vraiment là, plaisante l'infiltration sur ce Far Cry là. On a maîtrisé grave. Ça me rappelle un peu. Puis en plus, les environnements sont jolis et bien construits, je trouve. Moi, ça me rappelle un peu Far Cry 3 et 4. Même si j'avais préféré le 4 en termes d'infiltration. Parce qu'il était plus poussé. Attention camarades, les draps sont humides. Je répète, les draps sont humides. Mais qui c'est? Qu'est-ce que vous faites sur cette fréquence? J'ai pas le temps de vous expliquer, mais votre bunker est compromis. Vous devez faire vite. Merde, je suis chez Boyd. Envoyez-moi un hélico et je m'en occupe. C'est l'heure de la filature, officier. Suis cet hélico jusque chez Boyd. Attends que la cible monte dedans et elle t'amènera droit dans son repère. Attention, il ne s'agit pas d'une intervention, je te le rappelle. Juste une surveillance. N'attaque surtout pas la cible. Sauf si je te l'ordonne. L'hélico arrive pile à l'heure. Si t'as un wingsuit, tu peux sauter depuis la tour pour le suivre. Sinon, j'ai repéré un quad qui fera très bien l'affaire. Allez, c'est parti. Ok, touche-toi, s'il te plaît. Ok, faut que je suive. Mais bon, il y a un moment donné où il va forcément s'éloigner. Putain. Chine de ces merdes. Non, j'ai pris le seul qui est resté en face de moi. Bon travail, officier. Retrouve-moi dans la tour. Ouais, c'est bon, je suis dans la tour. C'est parfait pour guetter les cinglés là-haut. Attention, camarades. Les draps sont humides. Je répète, les draps sont humides. Qu'est-ce que vous faites sur cette fréquence? J'ai pas le temps de vous expliquer, mais votre bunker est compromis. Vous devez faire vite. Merde. Je suis chez Boyd. Envoyez-moi un hélico et je m'en occupe. C'est l'heure de la filature, officier. Suis cet hélico jusque chez Boyd. Attends que la cible monte dedans et elle t'amènera droit dans son repère. Attention, il ne s'agit pas d'une intervention, je te le rappelle. Juste une surveillance. N'attaque surtout pas la cible. Sauf si je te l'ordonne. L'hélico arrive pile à l'heure. Si t'as un wingsuit, tu peux sauter depuis la tour pour le suivre. Sinon, j'ai repéré un quad qui fera très bien l'affaire. Allez, c'est parti. Si, let's go. Ok, ouais, enfin là. Là, du coup, il va trop s'éloigner là en fait. Ah ouais, il s'éloigne beaucoup trop là. Ouais, mais je suis censé sauter comment là?
Ah là je suis censé suivre. Ouais voilà c'est ça. C'est que là je suis censé suivre en véhicule en fait. Ah c'est chiant. C'est chiant cette mission. On la fera plus tard, hein. C'est casse-couille. Hein. On la fera pas même parce que ça c'est casse-couille. C'est casse-couille. Du coup ouais, on va aller rejoindre ça. Oh merde putain. Ouais si on va le faire du coup mais on va y aller en quad hein. Pas le choix hein. Ok, laisse notre homme monter dans l'hélico. Et n'oublie pas, on doit encore trouver où il cache l'enregistrement. N'importe quel crétin peut faire semblant de pleurer. L'espionnage, c'est ce qui nous distingue des animaux. Je compte sur toi. Alors lorsque ta femme et ton enfant ont quitté cette terre, nous avons eu peur pour toi, nous avons craint que tu laisses la faiblesse te submerger, mais tu as résisté, tu es devenu le chasseur et non la proie, tu as tourné le dos au péché, tu as tourné le dos au vice, au mal qui avait envahi ta vie, nous avons posé les mains sur toi et ensemble nous t'avons lavé de ton péché, nous l'avons extirpé de ta poitrine comme chacun de nos membres a aussi expié son péché. Okay. Le quoi douce, vite. Notre cible travaillait dans un hôtel. Il s'est un peu trop intéressé à un certain visiteur qui s'amusait dans une suite de luxe. Et ça lui est retombé sur la gueule. Et pas qu'un peu. Il a fui le communisme. Il s'est infiltré aux US. Et là, hasard ou coïncidence, Joseph l'a trouvé et lui a proposé de le cacher. Mais je vais pas laisser ce hippie de mes couilles essayer de faire chanter le grand patron. Dimitri, tu possèdes l'unique copie de cette bande. On va te cacher à la barre de tous en Amérique. On trouve un petit groupe de fanatiques religieux dans le Nord-Ouest. Ils sont armés, mais c'est du menu fretin. Ça devrait être la couverture idéale pour que le tueur de la CIA perde ta trace. Fais-toi discret jusqu'à ce qu'on te contacte, Jevoro Nina. Voilà, c'est ça. Je bouge. Elle est là, la fameuse cassette VHS. Un beau petit abri en vrai. J'espère que tu as vacciné ton chien. Salut, amigo. Ouais, c'est bon. Bon, je peux te. Dis-moi pas qu'elle est buggée la mission, Pascal. Si vous voulez un ami à Washington, achetez un chien. Voilà. Désolé, d'un seul coup, j'ai d'autres chats à fouetter.
va falloir régler ton petit soulèvement de barbu par toi-même. Avant, en Amérique, un deal, c'était un deal. Mais on vit dans une nouvelle ère. Je sais que t'espérais un coup de pouce, mais c'est la vie. Ça me rappelle un truc que me disait ma grand-mère. Fais un vœu avec une main, chie dans l'autre, et regarde laquelle se remplit en premier. Ah, elle me manque. Allez, à la prochaine. Oh, super. Nickel. Ça, c'est fait. Alors. Merde. Ah, on est retourné jusque là-bas. Oui. Maintenant, on va se faire ça. Hop, dégage aérien. Allez, ça part. Et puis, on s'arrêtera là-dessus, hein, je pense. Je pense pas que ça va me durer trop longtemps non plus. Jamais. Fais attention. On me signale que le camping est assiégé par les membres de la secte. Ils croient qu'on a kidnappé un transfuge. Et ils vont tout faire pour le récupérer. Nos hommes sont acculés. Il faut agir vite. Le chef de la résistance. C'était un jeu d'enfant. Ah, c'est vrai que c'était facile. Ah, c'était plutôt facile. Donnez-moi l'oseille. Voilà. T'as bien fait de nous débarrasser de ce bunker. Si Dicky veut quitter Eden's Gate, on doit essayer de l'aider. Ok. Protéger. Allez, faut qu'on protège ce type. Merde. Attends, c'est quoi ça? Karen et me dit, j'emmerde John Seed, ce taré de fanatique ne m'intimidera pas. Ceux qui voudront m'aider à défendre cet asile peuvent aller voir dans le cabanon ou sous les caisses à l'arrière et trouveront ce dont ils ont besoin affectueusement. Ou pas? Bon. Laissez pas. Je me déplace.
résistance sont en route. Amène-leur le transfuge. Vous ne ferez pas filer. Sortez-moi de là. Voilà. Je fais tirer du... Je suis par où, là? Avançons. Pitié. Pardon. Allez. Génial. Laissez-le ici. On chargera du reste. Il va bien. Posez-le. Heureusement, je les ai pas écoutés parce que si tu les écoutes, fallait les laisser là-bas. T'es mort, mon beau. Cher locataire, nous savons que John vous a laissé solliciter, peut-être de manière un peu menaçante, mais vous devez tout de même payer votre loyer. Ce n'est pas la première fois que cet arrêt nous menace. Pourtant, rien n'est jamais arrivé. Ça risque pas de changer qu'Arène ait béni les managers. Le message n'était pas... Je ne peux pas crever ici. À l'aide. C'est vraiment sympa de ta part. Écoute. Comme ça, allez voir dans le cabanon et sous les caisses à l'arrière, ils trouveront ce dont ils ont besoin. Ok. Ça c'est le cabanon, c'est ça. Voir ça quand même. Si on est à 53 minutes, là on va quand même aller voir ça, voir ce que ça donne. Voir ce que c'est. Va falloir qu'ils fassent un effort s'ils veulent jouer avec nous. Ah j'ai oui, pas trop de respect pour les faire. J'ai peut-être pris le bon chemin. Alors là, par là, là, ça devrait être bon pour monter. J'espère. Normalement ça devrait être bon. Ne laisse pas filer. Non, ça faut faire quoi? Faut détruire.
comment on fait? On désarme. Venez par ici. Venez par ici, voir. Je crois qu'il fallait plus livrer la marchandise. Je crois que ça servait à rien ce que je viens de faire. Ça m'a pas rapporté d'XP, ça m'a rien rapporté donc. Faudrait livrer la marchandise, mais je savais même plus qu'on pouvait remorquer un truc. Quel intérêt de les emmener ? Qu'est-ce qu'ils vont bien en faire ? Oh, moi c'est Dave au fait. Dave Fowler. Wade et moi, on dirigeait le Fang Center un peu plus loin. Pour être franc, Wade s'occupe juste des animaux. C'est moi qui m'occupe de tout l'aspect commercial. Notamment les figurines de Cheeseburger. C'était mon idée. Mais Jacob a débarqué et a quasiment tout raflé. J'ai eu du bol de filet avec le peu de choses que j'ai. Mon gros problème, c'est qu'ils ont volé toutes mes figurines de Cheeseburger. Est-ce que tu sais combien ça coûte, ces petites merveilles? C'est des objets collector, putain. Franchement, c'est le genre de truc qui s'arrache à l'étranger. Et vu comme elles sont rares, je me ferai un paquet de pognon en ligne. Enfin, condition qu'on nous rende Internet, quoi. Si tu sais pas trop à quoi elles ressemblent, il y en a une sur la table, là-bas. C'est la dernière qui me reste. C'est pas vrai, t'en as trouvé, t'es incroyable. Je t'en supplie, trouve-moi les autres. Merci mille fois. Ok. On lui en a déjà ramené du coup. Et puis, on a celle-là là-bas. Avant, je chassais le cerf dans le bois. On a celle-là là-bas. Mon connard de chauffeur, la canne à pêche. Et il veut pas me la rendre. Aidez-moi à la récupérer, d'accord? Vous avez des armes, non? Allumez un peu ces affaires, histoire qu'il flippe un peu. Ok. Bousillez sa guitare! Dans les paras. Oh merde, je fais tout pour qu'on puisse. Reviens-moi si tu trouves un truc. Oh, c'est quoi le non, c'est pas de bol ça. Merde, c'est dingue. Je fais tout pour qu'on puisse s'enfuir. Il y a un énorme poisson qu'on appelle l'amiral, et celui qui le pêchera décrochera le gros lot. Si je le chope, on pourra se barrer de ce trou à rats. Dylan est vraiment un crétin. Oh, j'ai besoin de me détendre un peu. Pour moi, il n'y a que la pêche qui marche. Ça vous dirait de venir avec moi? J'ai besoin de compagnie. Et puis, je pourrais vous apprendre des trucs. Ok, vas-y, je te suis. Qu'est-ce qu'on s'est marré? Avant, je venais pêcher ici avec des potes du lycée. Des glacières remplies de bière et un bateau. C'était la belle vie. Mais ils ont tous disparu. Soit ils ont rejoint Eden's Gate, soit... Vous savez... Ilan et moi, on est les derniers. Ah, désolé. Désolé pour toi, ici, c'est Widow's Creek, un nom charmant. C'est parce qu'une femme y a noyé son mari. Faut dire aussi, il l'a trompé, donc il l'avait un peu cherché. Enfin bref. Vous voyez ces moucherons? Cette éclaboussure? Ça veut dire qu'il y a des poissons à attraper. Ouais, je vois quelques moucherons. Hey, ouais, vous avez une canne, tentez votre chance. Alors. C'est sympa ici, ça m'appelle. Dès que je suis au bord de l'eau, je vois presque ce qui se passe dans le reste de la région. Enfin,
pendant un temps. Je sais que c'est dingue, mais si ça n'était pas arrivé, j'aurais jamais trouvé ma vocation. Voilà, cassez pas la ligne. Tirez doucement jusqu'à ce que vous ayez ferré, puis fatiguez le poisson avant de le ramener. Il fait que changer de sens. En pleine tête, c'est cool. Si la flèche prend bien l'œil, le type est mort avant même de tomber. Mais il y a des fois, je préfère les voir souffrir. Okay. Bon, à la fin, je me suis dit que j'allais pas lâcher le cul droit de tout le temps, et j'ai bien fait finalement. C'est comme ça qu'il fallait faire. Troisième. Attention, mon pète. Le saloperie du chien. Vous en avez fait un gros. Il est beau, mais ça vaut pas la miraille. Une vraie légende. Il aurait tombé deux surnoms à ce jour. Ouais, une belle petite truc grise. Il y a une récompense à la marinade et Drumman pour la personne qui l'attrape. Et ça sera moi. Cet argent, c'est notre moyen de filer d'ici. C'est bon. Vous commencez à vous débrouiller. Entraînez-vous et peut-être que j'aurai de nouveaux conseils pour vous. Et merci d'avoir écouté mes histoires. Pas de soucis. Des fois, c'est sympa de pouvoir déballer ses problèmes, pas vrai? Bah oui, oui. C'est clair. D'avoir une oreille attentive. Thérapie conjugale. Sans Jacob, je sais pas où je serais. Encore un autre truc à dire. J'ai une proposition à vous faire. L'amiral est sacrément difficile à choper. Ok. Je me disais que ce serait plus simple qu'on s'y colle ensemble. Ah ouais. Même si on partage la récompense, il restera bien assez pour Dylan et moi. Ça vous tente? Mais chaque chose en son temps. Faut d'abord qu'on améliore votre technique. J'ai indiqué mes coins de pêche préférés sur votre carte. Ah, mais okay. Il vous faudra un appât spécial,
Retrouvez-moi au hangar des Claguettes quand vous pourrez et on s'occupera de l'amiral. Mais préparez-vous, ça va être une putain de lutte. Cet enfoiré a un sacré paquet dedans. Très bien. Très très bien. Bon. Bon, on est pas mal. Ça prendra quoi là-bas? Tammy, vous vous détruisiez tous les leurs à loup situé dans White Tails. Ah oui. Pam pam pam. Vous n'avez pas détruit d'autres? Détruisez-le à loup. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, il y en avait plein que j'avais pas fait, en fait. Y a pas mal de gens qui se plaignent. Ok, bon bah écoutez, du coup ouais, nous on va s'arrêter par ici. Où est-ce qu'on se met? Ça ferait des trucs aussi ici là. Je pense qu'on va aller là-bas, on va voyager là-bas et puis on va s'arrêter par là-bas. Comme ça la prochaine épisode, la prochaine vidéo là, on se fera les missions là, qu'on a vues, là, les missions de principales, là, dont celle-là. Du coup. Et puis voilà. Donc voilà. Bon, ben, on se laisse là-dessus. Cette petite vue d'un beau lac gelé. Et puis, ben, du coup, ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao. Ciao.